Salut à tous, ici Animux pour un nouvel épisode sur Valheim. Dans celui-ci, on rencontre une abomination. Bon, là, je crois que je vais devoir prod pour me refaire des flèches, hein, parce que je suis tenté de refaire des flèches en silex. Ah, moi, je serais toi, je serais un peu des deux, ouais. Donc, flèche en silex perforant, 27. Repoussement 10, tandis que flèche enflammée, perforant 11 et 22, donc 33. C'est-à-dire qu'elles font pas beaucoup de dégâts de base, et elles font des dégâts de feu, donc je serais même en train de dire que c'est, en théorie, mieux. Sauf si on va aller dans le marais, puisque ça ne brûle pas dans le marais. Elles marchent très bien, les flèches en silex. Voilà. Donc, c'est pas pour ça qu'on est là, c'est pour ceci. Alors regardez, ils ont tous une tête, bon, on le reconnaît clairement celui-là. Donc je vais le mettre, je pense... Moi j'arrive. Ici, hop. Alors, on l'accroche. Ah ouais. Ah si, voilà. C'est vachement petit. Mais c'est vrai que sa tête était petite. Wow. Et alors activer le pouvoir. Et... Ah voilà. Et remplace Ektir. Ah ouais, il va falloir choisir. Exact. Et lui, vitesse de coupe du bois améliorée. Ouais, bon. À mon avis, on peut les... On peut peut-être en avoir deux différents en même temps. Si chacun des deux active différent, mais on peut pas superpositionner deux fois le même. On va dire qu'on est surtout content d'avoir la clé des cryptes, partiellement couverte de boue, séchée, elle sent horriblement mauvais. Et ça, ben, qui dit crypte? Crypte, ça se situe généralement dans un cimetière. Je suppose que c'est pour le prochain biome, qu'on a déjà entrevu de loin, les marais. Donc on continue à s'affairer, à s'organiser pour avoir suffisamment de bouffe. Et on ira, on retournera dans nos marais. Faudra des queues de mix. Hein. Tu te fais pousser par une biche. Donc n'oublie pas de boire une popo de d'endu aussi. Hein. J'ai pas. T'as pas. Non, j'ai pas sur moi. Les affaires, on n'a pas fini. Elles sont dans le coffre. Et alors. Bon, à l'arc alors. J'essaye de... Moi je vais à l'arc et t'as intérêt à mettre ton boubou, hein, toi. Mais tu bloques, hein, le but c'est de bloquer, c'est... toi c'est pas de faire des dégâts. Hein. Moi je fais les dégâts et toi tu bloques, rentre en premier par contre. Hop. Grotte de troll. On voit rien, t'as pas ta torche. Tracasse, tu le verras. Oh. Y est pas. Y est pas. Bon, y a des piastres. Du coup... Ah, tu le vois pas? Non, il y a ça qui sac. C'est ce qui s'appelle une grotte de troll très décevante. Perle d'ambre. En fait, il faut regarder à terre. Encore une perle d'ambre. J'ai deux perles d'ambre. Je fais tellement de la fumée, moi. Ah, bon, y'a rien, écoute. Ouais. On était chaud boulette et voilà. C'est ça quoi, la grosse déception. En fait on l'a dégommé hors de sa caverne, donc ça veut dire qu'ils peuvent peut-être sortir de leur caverne. Ouh, ça il faut y aller. C'est un vendeur. Oh, on a des copains encore. Et puis on va aller voir... Ouh. À mon avis j'ai un nid, hein, parce que là j'ai toute la flopée avec brut, j'ai 4 nains, je veux bien de l'aide là. Au secours, je traîne mon gros marteau monsieur. Monsieur, j'ai besoin de ton gros boubou. Et moi je me mets derrière et puis je balance à tout le monde. Oh, joli. Un petit dôme. Avec des runes pour le protéger. C'est quoi ça? Hallstein? Et je peux câliner Hallstein. Hallstein vous aime beaucoup. Et alors? Découvrir ce qu'il ment. Aldor. Donc Aldor, il vend un chapeau de Noël.
Oui. Un bonnet rouge dans le style des naines maison. Ouais, c'est pas mon trip, hein, ça. D'armure. Yarkuba. Diadème de Dwerger. Une source portative de lumière perpétuelle pour ceux qui s'aventurent dans les donjons. Ça, c'est pas mal. Par exemple, tu vois, moi qui serais derrière, j'ai pas besoin d'armure et j'éclaire. Et j'ai mes deux mains. Wow, génial. Meijin Gyor. Donne à son porteur une force surhumaine. Augmente l'encombrement max de 150. Ça, c'est top. Suivant. Cher Dimir, les restes terrestres du géant Dimir. Je sens qu'on en aura besoin, ça. Une canne à pêche. Et alors quoi? Appât de pêche. Ah, il faut des appâts de pêche. Et pierre du tonnerre, elle crépite d'énergie. Et donc... Bon, chercher les piastres, hein. Ouais. Ah ben regarde, j'ai 20, 37 piastres sur moi. Ouais, mais tu veux pas savoir prendre la canne à pêche. Non, c'est pas ça, à mon avis. Regarde. Je vais fondre. De quoi? Ah non, d'accord. J'avais 37 piastres sur moi, d'accord? Ouais. Et là, il a vendu ma perle d'ambre, ou là, ou les deux perles d'ambre, et du coup, j'en ai 87. Donc il faut vendre... Ah oui, il a pris de l'ambre. Voilà, tout ce qui est ambre, tous les trésors qu'on trouvait dans les donjons, c'est ici. Ok, on retourne au bateau, on prend nos piastres et on revient ici. Il y a plein de trucs qui sont intéressants, mais faut bien choisir, quoi. Bah déjà, la canne à pêche, il faut absolument qu'on teste la pêche. Hein. C'était pas ça que je disais en premier, moi, je trouvais. Bah... Mais non, c'est vrai que pour la bouffe, ça peut être intéressant. Ça peut nous débloquer des nouveaux trucs, hein. Ouais. Tu sais ce qui m'intéressait le plus, moi? Oh! Des myrtilles ramassées. Attends. Et oh, je crois que je suis en train de... Occupe-toi des squelettes dehors. Occupe-toi des squelettes dehors. Bah écoute... Plus de squelettes. Bon, j'y arrive enfin. Je vais pouvoir passer, quoi. Ouf! Oui. Ouf que... Allez. Un petit câlin, Stein, ça me fera du bien, à moi aussi. Donc, alors... Passe des piastres. Ah oui, on lui vend plusieurs fois, en fait. Ah, tu lui vends plusieurs fois. Donc ici, j'ai... 1526. Donc toi, t'as déjà acheté... J'ai acheté la canne à pêche, la ceinture et des appâts pour la pêche. Moi j'ai bien envie d'acheter la ceinture pour tous les deux, je crois que c'est pratique. J'ai acheté aussi. On passe à 450 de poids. Ah ça c'est dommage. Il ne te reste pas 44 pièces. Si si, bien sûr. Comme ça je pourrais acheter le diadème quand on va dans des donjons. Voilà, très cher. Et alors le diadème. Et du coup... T'as vu ce qu'il a dit? T'as vu la même chose ou pas? Ça vous va bien. Hashtag, c'est toi qui as pété? Non, j'ai pas vu. Il était ça. Alors, ça par contre... Ah, regarde. Et la ceinture, elle est où? Ah oui, elle est là, la ceinture. Je regarde. Ah voilà, la ceinture, vous sentez plus fort. Et effectivement, je suis passé à 450. Ah ouais. Par contre, le diadème, c'est à la place de mon casque. Ah ouais, foireux ça. Non, bah dans les donjons, comme t'es devant, ça m'embête moins. On dirait que t'as une frontale. Ben ouais, à mon avis... Vraiment très directionnel. Ah, des graines de carottes. J'ai été faire mes cours chez Decathlon pour faire mon jogging de minuit. On retourne, on est content. On peut porter comme des bœufs maintenant. Et c'est marrant, je me sens super léger. C'est comme si je pouvais courir plus vite. Ah, peut-être. Est-ce que le fait d'être presque surchargé nous ralentirait ou diminuerait notre rendu? Probablement. Parce que là, je cours super vite, mais... Super longtemps, surtout. Oui. Ouh, tu le reçois en tout cas. Et il y a des poissons autour de toi, hein? Ouais. Ouais, j'en ai chopé quelques-uns, mais... Ah, je vois le petit flotteur rouge, là. Mmh. Hop. Voilà. Oh, ouais, ouais. Je vois qu'il est accroché. Ouh, tu le tires. Ouais. Tu le tires. Ah, il y est presque, là. Tu l'as presque. Regarde, prise perdue encore. Dès que tu vois, quand t'as lancé, dès que tu vois un petit cercle qui se forme, là tu cliques droit au coup pour essayer de ferrer le poisson. Ça veut dire que t'as un poisson qui est
Hein, là. Ouais, raté. Vraiment au moment, tu vois, où il y a une petite onde qui... Voilà. Voilà, là tu dois en avoir logiquement. Tu ramènes. Allez Fritti, arrête-toi. Arrête-toi. Compétence de pêche 1. Ouais, mais je l'ai pas. Attends, attends. Vas-y, ramène, ramène. Ramène. Un mètre. Encore. Ramène. Ramène. Il doit... Ouais, là tu l'as eu normalement. Oui, j'ai eu une perche. Perche comme moi. Allez, on va essayer. Et à mon avis, suivant où tu vas ou si tu vas en pleine mer, t'as sûrement des poissons différents. Allez, on réessaie une deuxième fois. Avec un angle de caméra différent. Hop. Hop. Et il est en dessous du bateau, petit fumier. Moi, tu veux que j'arrive à voir... On peut jouer, quoi. Ah, mais attends, on a une barre avec de l'endurance aussi. Ouais. 3 mètres. Voir si de poissons... Allez. Tu sais ce qu'on n'a pas pensé faire. Cuire les poissons. Deux poissons, ouais, c'est toujours le même. Tu te rappelles, on avait fait du poisson cru. Ouais. Et ben, on l'avait pas fait cuire. T'es sûr? Je suis en train d'essayer. Ouais, ouais, certain. Donc, je suis en train de le faire cuire là. Ouf, tu, je l'ai lancé super loin la canne à pêche. Allez. Ah oui, poisson fumé. Donc, ah ouais, poisson cru. Ah, et c'est un des trois poissons. Ce qu'on veut, une perche à brochet ou à poisson troll. Poisson troll, je l'ai cramé, je l'ai cru aussi. Voilà, bon, allez. Donc, trois poissons crus. Et on va se cuire. Oh, avec un trophée de troll et des appâts de pêche, on peut faire des appâts de pêche moussus. Ah ah. Pour, je suppose, pour un super poisson. Ouais, c'est un meilleur appât de pêche, apparemment. Tu les as, les appâts de pêche? Parce que j'ai justement un trophée de troll sur moi. Repoussement 50. Ah voilà, poisson fumé. Les appâts de pêche. Et là, ouais, 45, 15. Ouais, c'est l'inverse en fait de la soupe de carottes. C'est meilleur que la sauce à la viande hachée. C'est l'équivalent du ragoût de serre. Donc le poisson, faut prendre le temps de pêcher, mais c'est pas mal. Et il faut aller acheter des appâts. Non, non, peut-être qu'on va pouvoir en faire. Peut-être. Pour le moment, c'est pas encore le cas. Mais c'est pas mal. Hein. Je vais essayer justement le pouvoir de l'aîné. Voilà. Donc là... Bon, là, clairement, la découpe de l'arbre avec la capacité, c'est pas mal. Ouais, on va dire que c'est facilement divisible par deux. Maintenant, j'ai dû l'activer, elle dure 5 minutes, quoi. Donc, je peux aller couper du bois 5 minutes. Maintenant, tu vas me dire que comme elle va plus vite, bah, ça va. La question. Je viens d'activer l'aîné. Il me reste 40 secondes. Si je prends Egg Tear et c'est bien ce qui me semblait, donc il me reste 15 minutes 29 avant de pouvoir l'activer. C'est ça, tu recharges Egg Tear quoi. Mais en fait c'est un cooldown de 20 minutes, mais tout pouvoir mélangé, tu peux pas en utiliser un, aller le changer, etc. Ce qui est logique en quelque sorte, mais je voulais m'en assurer à 100% quoi. Ouais, c'est ça.
Ça, ça s'appelle essuyer une tempête avec de fameuses lames. Dans une coquille de bois. C'est appelé ça. Coquille de noix. Ouais. Là, on est vraiment content de pas être plein milieu de l'océan. Ah ça. Où mon gars, t'as réveillé un arbre ou quoi? J'en sais rien. T'as des flèches de feu. Et t'as vu, il y a un copain avec, hein. Abomination. Ça fait pas grand chose de filer le feu. Petit est. Oh. Parti. Ouais. À mon avis, c'est le troll des marais, ça. Ouais, elle est trop loin. J'ai pas envie qu'elle pète nos maisons. C'est rien. T'as pas fait grand chose, hein. N'oublie pas que ton bouclier ne sert à rien quand tu l'as pas en main, hein. Dégâts, mon gars. Un max de dégâts. Vers toi là, ouais, elle s'en va. Non, elle vient vers moi. Et il y a plein de nagris en plus qui viennent me casser les bonbons. Au moins, elle se fait les nagris. Flèche de feu, rien du tout quoi. Flèche de feu? Ah non, flèche normale. Mais... j'ai une brute à mes trousses. C'est de la petite... ah, t'es là. Brute derrière moi, tu sais pas la gérer. Voilà. C'est reparti. Ah, attention, Drogt. Compliqué à gérer ce truc là. Ouais. Trop loin, le temps que ta flèche arrive. Alors, je regarde tout ce qu'on peut faire donc. Alors, fabrication. Ah, soufflet. Donc, on peut faire le soufflet de forge, mais il faut 4 chaînes. Pas besoin de te dire, c'est une amélioration de forge. Hein. Ouais. Clôture de bûche. Et mais c'est dans les meubles. Il en faut une, mais c'est un meuble, donc c'est pour faire joli quoi. Donc avant de faire ton truc joli, ta déco, on va plutôt garder pour le soufflet de forge. Oh, mais il en faudra 4. C'était quoi ce petit bruit pas très masculin? Moi qui me tombe un con et me cuire les queues de Nyx. Non, ça c'est pas bien mon gars. Oui, je sais, merci. Nous voici, ben voilà, je suis exactement où je voulais être, dans la cabane de Viking. Où je n'entends pas des sales bruits, c'est déjà ça. Je peux réparer le toit. C'est la journée, donc ça devrait aller. Ouais, ben au début, c'est peut-être mieux de se promener la journée, hein. Ah, mais il y a peut-être toujours le machin à rendre. J'ai un blob qui est devant moi, un truc qui vient de sauter, trop bizarre. Je reviendrai quand j'aurai assez. Ouh, la deuxième. Viens ici. Ouh. Car tu vois le blob. On a pas encore eu ça du blob. T'es empoisonné. Ah, trophée de blob. Bon, par contre, ce qui m'arrangerait, c'est... Ah, le truc, il est toujours là dans l'herbe. Oui, j'ai excité quelqu'un. Blob. Non. Ah, purée. Oufti. Blob. Ça lui fait pas de dégâts par contre. Ouais, t'as accepté quoi? Oh! Comme il fait mal lui. Ah lui, il y a... C'est un Drogt. Ah, t'es encore empoisonné toi. Ça c'est bien, on a déjà eu un nouveau composant, un trophée de blob. On a vu qu'on avait déjà
parfois on devait les utiliser les trophées. Donc Pégaf aux sorsus. Oh, le petit fumier. Drengir ici. Et Blob. Par contre, il faut que je change de... Non, j'ai les bonnes flèches. Ouais, je lui fais du mal. Ouais, presque mort. Tu es à la droite. Fais gaffe au Blob. Ah ouais, tu te déplaces en fait, donc... Ouh! Il va t'empoisonner. Hop. Gagné, donc on connaît. Squelette, une étoile qui arrive. Il se lui fait pas de dégâts, les flèches en silex. Je crois qu'il vaut mieux pas rester dans l'eau. Ben bon. Alors, en plus, on est mouillé quoi. Ouais. Regarde, ouais, on avait vu l'arbre vert là. J'aimerais bien aller récupérer la ressource, mais il faut faire gaffe. Hein. Ouais, fais gaffe quand même à la bestiole. Viens près de moi. Tu la vois la bestiole? Ah, j'arrive. Je vois encore un plouc plouc là. Ah. Ah, et. Ah, il vient vers moi. Ah, ils vont vite, hein. T'es où toi? J'ai pas eu le temps de parer quoi. Soit je te frappe ou soit je pars, mais les deux à la fois. Et ici. Ah oui, ici il y a une sangsue. Deux. Il y a même une sangsue, une étoile. Comment elle se tire quoi? Elle est longue. Oh, ah ouais. Belle à voir parce que. Ouais, une étoile, on a peut-être. Ah, j'ai eu un trophée de tensu. Parfait. Bon, regarde là, il y a un arbre vert. Fais attention que ce soit pas le bazar. C'est en allant vers un arbre vert que je me suis chopé le bazar. J'entends de l'eau, mais. Tu restes près de moi? Je préfère qu'on soit ensemble. Alors. Voilà, alors je vais essayer de le piocher. Sac visqueux. Ouh, j'ai pu... Voilà. Nouveau matériau, viscosité, et on peut faire un truc. Par contre, ah ouais, pour avoir les suivants, tu me protèges. Ah, Vladrok, toi aussi, ici. Ah oui. Quelque chose empêche. Il manque quelque chose. Merde, j'ai pas assez de bras. Ah ouais. Y'a que des squelettes qui arrivent autour. Ouais, c'est le Drouk sur la gauche, surtout qui m'embête. Il est où lui? Il a fait le tour ou quoi? Oh, je vois pas mal de loin moi. Alors, est-ce que je peux l'avoir lui? Ouh, non, pas de chance, je suis en train de démolir mon escalier. Ah, je vois des squelettes qui arrivent, hein. Ah, ouais, il est hooked. Ouais, j'ai vu. Il se barre. Ouais, j'ai pas compris. Et c'est le squelette qui tire dessus? Non, non, c'est moi qui essaie de tirer. Ouais. Il s'en va. Ouais, c'est comme s'il avait pas accès à toi. Ou alors il essaye de me cibler et il y arrive pas comme je suis en hauteur. C'est chiant parce que tu le repousses alors je tire mes flèches. Oufti, il y a des squelettes qui arrivent mon gars, il y en a deux. Hein. Tu vois vraiment qu'on les attire. Attends, je vais essayer d'en tirer de loin. Ouais, il m'a vu, il court, okay. Tu vois. Laisse-moi. Ouais, c'est moi qui l'ai attiré en fait, quand je l'ai tiré dessus. T'as un deuxième qui arrive par là. J'ai vu. Allez, faut un. Voilà. Ouh, j'ai failli tomber. Ouais, et je viens presque de me casser une patte là. Descends, je suis mort. Oh, ouais, désolé. J'ai eu un blob, j'étais empoisonné par une sangsue et j'étais empoisonné par le blob avec le drogue qui arrivait donc. Ah ouais, je crois que j'ai un deuxième drogue qui traîne. Je vais essayer de revenir rapidement. Voilà, hop. Oups, aïe. Je ne peux plus boire et là je ramasse. Faut looter par contre. T'as vu ma vie?
J'ai 17, donc j'ai pas été avoir une sangsue, sinon je suis mort. Y'a des sales bruits en plus. Hein. Range ton arme. Tu utilises l'ordu. Oufti, je traîne dans l'eau quoi, comme un con. Là y'a des trucs si t'en veux encore. Des trucs ? Visqueux. Alors je vais les choper. C'est avec la pioche ? Non, avec la hache. Bon, voilà, je crois qu'ils sont tombés dans l'eau. Bon, par où on est nous ? Copain ! Pas copain. Super copain. Oh merde. La grosse racine. Maintenant, je crois que si on se tire assez loin, on va perdre l'aggro. Et où ? Il se tire. Donc moi je vais remettre mon autre qui a... je te propose de vite prendre le... C'est toi qui tires ou tu te fais tirer dessus ? Bon, je me fais tirer dessus visiblement, moi j'ai pas tiré. Alors on a intérêt à le péter, sinon eux ils risquent de péter le... Ouais, il revient. Bon. Et quoi que tu veux péter ? Ceux qui te tiraient. Sinon on se fait des nix, hein. Les nix c'est... utile quoi, on a... Oh, une grosse brute. Oufti, ma vie, merde. J'ai trop de bois. La brute, elle m'en veut, et moi, je la veux pas. Un chaman. Bon, je fais beaucoup de fumée là. Des étoiles. Pourquoi est-ce que je ramasse pas tout moi ? Super chargé. Oh putain, y'a plein de queues de mix. Moi ça va, j'arrive à les ramasser. Ah, c'est peut-être eux qui ont pété tout là. Y'a plein de trucs qui traînent. Non, si on repartait sérieusement. Ouais, mais je voulais prendre le portail tant que t'avais pas aggro. Tu vois, c'est quoi ça qui traîne à terre ? Queue de mix. Votre inventaire est plein, merde, qu'est-ce que je vais jeter moi ? Moi j'arrive, j'en ai dans mon inventaire, t'es bah, voilà, je vais de jeter et alors du coup ça va. Je vais te faire face à face avec un agri. Et là il y a plein de trucs, c'est quoi ? C'est tout des. Des pissenlits, on s'en fout. Moi je rentre. Hein. Je vais arriver. T'es où ? À la porte, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode.